Colombie et de la police nationale, incluant votre serviteur, ont évalué et réévalué les 388 km de la ligne frontalière s'étendant de la baie de Mansani dans le nord-est jusqu'à Ansapitre dans le département du sud-est. Il a été constaté qu'il existe 4 passages officiels et 87 passages non officiels ou clandestins, dont 36 sont accessibles à véhicules et 51 à moto. L'État est présent dans les passages officiels seulement aux heures des opérations. Ceci dit, la frontière est vraiment poreuse. Et cette porosité facilite les activités criminelles telles que la contrebande, traite de personnes, traite d'enfants, trafic illégal d'armes et de drogue, immigration clandestine et autres crimes connexes. En effet, cette situation lamentable favorise la corruption et la contrebande qui occasionne une perte annuelle de plus de 350 millions de dollars américains à l'État. Elles y arrivent clandestinement par nos frontières. Face à ces maux qui rongent la nation, chaque citoyenne a des responsabilités envers le pays. En ce sens, Saint-Exupéry écrit dans Terre des Hommes, être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. C'est en d'autres termes, avoir un sens très poussé de la responsabilité personnelle et individuelle qui permet de prendre les meilleures dispositions qui déboucheront indubitablement sur les résultats escomptés, comme l'a souligné M. Henri d'Orléans. En ce sens, l'entremise du directeur général de la police nationale, appuyée des pays amis, prend un ensemble de dispositions, incluant celle de rendre opérationnelle la police frontalière dans le but de mieux protéger la nation contre les menaces externes et internes et du même coup créer un climat sécuritaire favorable aux investissements et au vivre ensemble. Pour ce faire, 100 agents et cadres de la police frontalière vont être bientôt déployés à Ferrier, à Wanamet, à Capoti, avec des objectifs clairs, sécuriser la ligne frontalière, prévenir et répondre à la criminalité organisée transnationale, aider la police administrative en cas de besoin, collaborer avec les institutions étatiques, douane et immigration, supporter les agences non étatiques opérant sur la frontière et coopérer avec la police dominicaine dans le cadre de la mission. En effet, pour atteindre ces objectifs, une formation sur mesure, tant théorique que tactique, a été donnée à ces policiers. Cette formation va continuer sur le terrain, car il faut que les douaniers, inspecteurs d'immigration et policiers s'entraînent ensemble pour mieux opérer ensemble. De plus, la technologie caméra des véhicules tout-terrain qui arriveront en janvier prochain, des motos et des quads qui ont été déjà en avril 2018 à Bel-Ader dans le centre et à Malpass dans l'ouest. Finalement, en 2019, la police frontalière sera à Ansapitre avec 100 policiers et démarrera avec le processus de renforcement du personnel dans le nord-est, dans le centre et dans l'ouest avec 150 policiers afin de s'étendre sur toute la ligne frontalière. Donc, vers la fin 2019 et début 2020, notre effectif doit passer à plus de 650 policiers sur la ligne frontalière. La police frontalière redouble de courage et de détermination face à la volonté politique manifeste de combattre la criminalité organisée transnationale. Cette direction dispose du personnel à cette finalité, mais attend encore des ressources financières afin de s'implanter sur toute la ligne frontalière. Toutefois, il n'en demeure pas moins vrai que sans la coopération, la police frontalière n'arrivera pas à accomplir correctement cette mission, car aucune institution, quelque riche qu'elle puisse être, ne peut à elle seule combattre la criminalité organisée transnationale dont les modes opératoires vont au-delà
des frontières. Il nous faut donc un réseau pour combattre un réseau. Au niveau national, la brigade interinstitutionnelle douane, police, immigration et intelligence, qui de facto a existé dans le temps, devrait être remobilisée en attendant que l'exécutif et le législatif lui dotent d'un cadre légal qui assurera sa pérennité. De plus, une synergie interinstitutionnelle s'avère nécessaire dans la lutte nationale qui nous concerne tous. La coordination, l'éducation, la sensibilisation, le renseignement et la technologie seraient entre autres les actes d'intervention qui facilitent la prévention et la réponse à ce fléau tant au niveau national que régional. Policiers, policières de la police frontalière. M'a prêté mot son Excellence le Président de la République Jovenel Moïse. Mon président est répété dans la graduation 28e promotion. Vous êtes les sentinelles de la nation et de l'état de droit, dit le président. C'est une responsabilité, une co-responsabilité qu'elle va nous. C'est en pile confiance que le président fait. Il faut nous justifier confiance. Ça. Sentinelle, pas l'idée. Doit toujours veiller. Sentinelle, pas doit jamais dans ses collègues à ennemi nation. Si sentinelle la failli, nation en péri. Ennemi nation, c'est contrebandier. Ils sont de tout poil et de tout acabit. Ils sont riches, ils sont pauvres. Ils sont grands commerçants, ils sont marchands. Ils sont autorités, ils sont civils. Ennemi nation, c'est marchands d'âme et marchands de droit. Ennemi nation, c'est eux qui n'ont immigration en bachal, qui n'ont traite moun, qui n'ont traite si moun. Faut que nous mettez main dans la collecte, tout sans exception. Que la loi et la constitution soient votre boussole quotidienne. Bon courage. Ce matin, à l'occasion de cette activité qui consacre l'existence véritable de l'unité spécialisée de la police des frontières, baptisé Polyfront, dont la mission fondamentale est la sécurisation de la frontière. Je voudrais remercier le président de la République pour son support accordé à cette initiative qui ne vise que la sécurité du pays et la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Excellence, merci de votre présence. Mesdames et messieurs, la frontière est la porte d'entrée et de sortie du territoire. C'est aussi la première et la dernière impression que l'on donne du pays. En effet, depuis le traité de Westphalie en 1648, la question de la frontière revêt un caractère spécial dans les relations entre les États. Les frontières sont réputées imperméables. Depuis la mondialisation, elles sont transcendées par l'accroissement des liens d'interdépendance entre les peuples. Aujourd'hui, avec la criminalité transnationale organisée, la drogue, le trafic des armes, la contrebande, car d'après les travaux d'un groupe mixte haïtiano-dominicain, le chiffre de la contrebande représentait en avril 2016 plus de 400 millions de dollars par an. En fonction des données qui me sont parvenues, je pense que c'est plus que cela. Voilà, mesdames et messieurs, un manque à gagner que notre pays pourrait utiliser à des fins de développement, d'éducation de la petite enfance, de notre jeunesse, et j'en passe. En formant mieux notre jeunesse en amont, on aurait réduit les problèmes de la police en aval. Ce montant pourrait également servir à financer la construction de 40 unités de logements sociaux pour les policiers sur les 10 départements géographiques du pays. En construisant les logements sociaux, on aurait augmenté
augmenter la motivation des policiers et le prestige de l'uniforme. Policiers, policières de la police des frontières, vous ne serez pas à la frontière pour apprendre à danser le merengue ou la bachata. Vous allez accomplir un devoir citoyen pour votre institution et pour la nation haïtienne. Votre pays doit passer avant les fantaisies et les émotions. Mesdames et messieurs, en essayant de contextualiser, c'est donc à la fois un devoir citoyen, une fonction régalienne, une nécessité absolue du moment que d'assurer la présence de l'État, de la police nationale d'Haïti dans nos frontières et nos côtes. Aujourd'hui, les stratégies en matière de sécurité frontalière sont généralement inspirées de deux modèles différents et opposés, de confrontation et le modèle de coopération. La stratégie met l'accent sur des mesures multidimensionnelles, de nature à la fois policière et administrative. Ce modèle est privilégié en période de paix entre les États démocratiques. Les exemples pullulent à travers le monde. Haïti et la République dominicaine partagent une frontière terrestre de 388 km. Cet espace commun est à la fois une source de grandes opportunités économiques et de grandes menaces en sécurité publique. Le territoire commence et se termine à la frontière. La frontière est donc de toute importance. La PNH se doit d'amplifier sa présence par obligation et par prudence. Nous avons, il n'y a pas longtemps, créé cette unité. Elle devra assumer, entre autres, la charge de la surveillance et de la sécurisation des quatre points de passage officiels entre Haïti et la République dominicaine, mais aussi et surtout celle d'une centaine d'autres points qui se révèlent parfois plus dangereux et plus menaçants pour la sécurité du pays. Les réalités sont là. Policiers, policières de la police des frontières, à quoi cela servirait-il si on devait assurer la sécurité à la frontière en violant les droits de la personne humaine? Ainsi, je vous invite à exécuter votre mission en appliquant la loi et les textes normatifs de la PNH dans le strict respect des droits des citoyens. Je voudrais détacher les femmes et les enfants. En effet, des groupes évoluant à la frontière ont fait mention de certains cas qui ont attiré notre attention, spécialement à Wanamet. La presse étrangère a fait l'écho de ces nouvelles. Cela m'a préoccupé et cela devra préoccuper toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens qui aiment leur pays. Ce n'est pas une belle image que nous projetons au monde. En tant que responsable et père de famille, je digère très mal le calvaire des enfants à la frontière haïtiano-dominicaine. Je n'ai pas aimé ce que j'ai lu. Policiers, policiers, police frontière. Moi, mandé pour nous vigilants. Moi, vle trafic jeune fille à Timoun fini sous frontière. Il y a des milliers de Timoun qui ont trafiqué chaque année sous frontière. Yo à l'autre bord frontière avec yo pour yo exploiter yo tout le temps. Ça va. Tout dit nous, et yon un indicateur qui pourra le permettre moins évaluer le travail nous, c'est baisse au niveau des cas de trafic timoun à réduction contrebande dans la frontière. Nous pourrons jouer en pile off achat de drogue, off n'est qui spécialisé dans la contrebande.
aller loin. Tentation ça. Et déjà, instruction passée, le général en chef là, pour lui gagner un monde pâle qui déploie sur le terrain pour suivre l'évolution, l'action. La direction générale étant, n'a pas genou braqué sur le comportement nous sur le terrain. M'a tout dit nous. Haïti signé accord sous respect droit du monde. C'est nous qui pouvons faire respecter nous. C'est notre job que nous gagnons. Jouette pour nous, messieurs, dames. Et déjà tout parlé, l'heure n'est pas à la parole, mais à l'action. Vous avez du boulot. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux recrutés dans cette unité d'élite. J'attends qu'ils fassent preuve de compétences, de professionnalisme et de sérieux. Mettez-vous donc au travail. Moi, content là avec nous matin. Pour cérémonie ça. Côté police nationale là, a remettre certificat à policiers qui ont recevoir formation pour faire partie des nouvelles unités police frontalière. Nous recevons bonnes informations qui permettent de nous intégrer une nouvelle unité spécialisée. Ça. Formation ça est important en pile pour le pays. Le pays a besoin d'une unité spécialisée. Ça. Unité ça qui va permettre l'État avec frontière pays. Puis bien. Comme nous tous comme ça. Frontière pays a passé comme ça doit depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies. Unité police frontalière pour aider nous lutter contre contrebande, aider la douane dans le travail, empêcher le trafic illégal fait sur la frontière. J'en ai toujours dit, l'argent de l'État n'est pas là pour faire travail pour les gens. L'argent de l'État pas là pour faire travail pour un petit groupe moun. L'argent de l'État est là pour travailler pour tout le monde. Et quand pile l'argent de l'État qui n'en poche plusieurs monde dans le pays d'Haïti, qui passe dans la frontière, mais qui pas fait travail collectivité. Policiers, policiers, formation ça nous recevoir important pour le développement carrière professionnelle nous comme policiers. Cérémonie ça, c'est un moment important dans la vie professionnelle. Dans un temps record, nous faisons preuve. Nous montrer énergie et capacité nous gagner pour apprendre rapide. Pour apprendre tout volume de connaissances bien vite. Nous connaissons. L'État a besoin de faire respecter le code douanier pays. Empêcher le trafic de drogue, trafic d'âme, trafic de timoun, trafic d'organes dans le commun avec le directeur de police frontalière. Je vous dis, en pile moun, en pile autorité, en pile petit commerçant, en pile gros commerçant, en pile haïtien. Un mouvement contrebande. Trafic toute qualité primaire. Dans la dernière année, ça a acheté frontière à l'argent comptant. Ils ont fait ça au réseau frontière. Nous t'étendons ça qui passait et là-dedans l'autre jour. Machine, autorité boulée. Arrestation faite. Mais malheureusement, les rivets mis balai, tout le monde lagué. Et c'est pour ça que je dis, nous profiter de l'occasion avec nouvelle unité police frontalière pour demander la justice pays qui c'est le pouvoir qui est plus important. Et pays a gagné parce que
la justice élève une nation, mais l'injustice est le propre des peuples. On peut côté il pas gain justice blague la donne anarchie cap blague. J'ai fort de autorité à tirer à faire. Gros coup de chapeau m'voyer pour la police nationale au commandement pour dynamisation. Yo a pas appliqué à la lettre tout ça qui gagne non rete sous pied pour suivre frontière. Mais travail ça pas ka fait si yo pas gain accompagnement la justice pays a tout bon vrai. Parce que là la police a arrêté, faut la justice juger et puis faut le condamner les gens coupables. Parce que 400 millions de dollars c'est un pile quoi pour nous construire 15 000 salles de classe dans le pays, pour nous retirer tout reste 10% de monde qui pas à l'école dans le pays. Haïti besoin 450 millions de dollars. Quand tu as perdu 400 millions chaque année sous frontière, tu as dit si nous avons multiplié 400 millions par 5, ça fait 2 milliards de dollars que nous perdu pendant un mandat au président. Décision ça qui prend aujourd'hui. La police nationale qui mettait sous pied pour délit ça, moi pensais que chaque haïtien, dans la qualité, est supposé pour te coller pour que aujourd'hui, les policiers ça fait travail comme ça doit. Et eux-mêmes dans l'État, ils sont avec yeux bandés. Même gens, avec la justice qui supposait un fameux yeux bandés pour nous capables de marrer les gens qui supposaient marrer, quel que soit le niveau qu'on est dans la société. Car, dans la zone frontalière, il est important de surveiller à la régularité et à la légalité de ce qui se passe et de ce qui se fait afin de garantir la sécurité du pays à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti, avec cette nouvelle unité de la police frontalière, démontre qu'elle est une institution vitale pour la sécurité des villes. La population qui habite dans les communes frontalières, qui sont souvent victimes des actes de banditisme commis par les contrebandiers et les trafiquants, appréciera le travail que va réaliser la police de la frontière. La police est au cœur des efforts entrepris et la sécurité sur les frontières du pays. Je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires internationaux, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui, depuis 1994, n'a pas cessé de travailler avec le gouvernement, les gouvernements d'Haïti, sur la professionnalisation de l'armée. Je pense que la police est un enfant, est un nouveau-né des unités de la police nationale. Et je viens de parler au directeur général de la police sur la police de l'air, parce que c'est important pour que le pays ait une unité de police de l'air, comme nous avons la police, les gardes-côtes, la police maritime, maintenant la police frontalière. Je pense qu'avant la fin de mon mandat comme président, nous aurons notre police de l'air pour surveiller nos frontières maritimes et terrestres. Messieurs et mesdames de la nouvelle unité spécialisée de la PNH, la nation compte sur vous. Comme policier du premier contingent de la police frontalière, soyez des bons exemples pour le pays, parce que vous allez travailler dans une zone d'importance capitale stratégique pour le pays. Haïti a près de 18 communes frontalières. Nous avons plus de 350 km de frontières.
le gouvernement par mon organe, l'État Ponthieu, l'État Ponthieu, sur votre vigilance, parce que une frontière poreuse comme la nôtre mérite d'être surveillée. Je vous remercie. Façon pour nous capables de souhaiter et malades
et parents, yo, tout personnel dans l'hôpital ça yo. Joyeux Noël et bonne année pour nous capables de dire que nous songez. Donc au cours de visite ça, nous profitons pour nous bailler des kits d'hygiène, moustiquaires et puis des jouets aux enfants. Donc en fait c'est ça que nous avons fait dans la tournée ça, que nous avons fait pendant 3 jours dans l'hôpital. Je dis à c'était l'hôpital communautaire de référence de Bedet, Zilda Hans et puis réhabilitation qui est à côté de Zilda Hans. Demain, nous allons faire l'autre hôpital, côté nous allons faire le même exercice. Là. Donc, ma première, c'est Téléguinée qui était marché avec nous pour capable faire la population qu'on est, qui ça a fait. Mm-hmm. Donc, merci en pile, Téléguinée. Mm-hmm. Alors, à l'occasion de la Noël, nous connaissons Noël, c'est fête partage, fête l'amour. Et message pour et dans l'occasion, c'est qui ça? Pour moi, je dis un message par la fête Noël, là, c'est, j'aime toujours, j'aime nous dire, c'est santé, n'a pas souhaité tout le monde, parce que c'est ça qui est l'essentiel, santé et puis beaucoup d'amour. Mm-hmm. Mm-hmm. Par ailleurs, et Radio Télé Guinée est capable de constater et trois hôpitaux ça pour visiter, ils sont très propres, dans conditions hygiéniques qui sont très acceptables. Et il y a d'autres hôpitaux dans le pays qui t'a souhaité gagner un environnement pareil. Et qui ça et le ministère de la Santé publique est capable de promettre, ou bien le ministère est capable de promettre pour et améliorer l'autre hôpital et mettre dans une condition pareille. Eh bien, effectivement, bien content qu'on note que l'hôpital ça est propre. C'est un pile effort que tout directeur, tout personnel dans l'hôpital ça a fait et m'a félicité pour ça parce que effectivement, il est très propre. Pour l'autre hôpital, on a travaillé sur ça. Et nous commençons à travailler sur assainissement, sur en forme d'assainissement. Nous avons gagné pour nous reparler de ça. Là, nous faisons monter pour nous capables d'assurer nous que tout l'autre hôpital a prêté propre tout en cours. L'hôpital ça même pour nous en bagaille gain pile personnel dans l'hôpital yo qui pas travail qui pas fait travail yo n'a invité yo même gens avec l'hôpital ça côté personnel yo nettoyer côté personnel yo qu'on est malade non environnement qui pas sain n'a invité yo tout pour suivre exemple ça pour faire de même mais n'a travail sous on bagaille on pas qu'on veut dévoiler mais pour que tout l'hôpital est capable de gagner un niveau d'assainissement pour tout l'hôpital est capable propre, même Jacques, ça nous sommes visités. Alors nous connaissons un accord tripartite qui a couché l'hôpital Zilda Hans entre Haïti, Cuba, Brésil et tout. Tripartite côté avec Brésil, Cuba et puis le gouvernement haïtien, il y a 3 hôpitaux plus institut haïtien de réhabilitation, ça qui était bon nous. Jusqu'à présent, nous gagnons un certain support, jusqu'à présent, du gouvernement du Brésil, qui permettent nous, effectivement, payer une partie de personnel, là, qui permettent de gérer une partie de fonctionnement de l'hôpital. Là. Mais l'hôpital, là, c'est géré et par l'État haïtien et avec appui gouvernement Brésil, là. Actuellement, nous signons l'autre accord avec eux pour une période de 3 ans. Dernier mot autour de visite ça dans l'hôpital ça. Eh bien moi-même ça m'a dit tout personnel dans Kembela et l'hôpital ça nous voulons pour la population connaître tout que c'est pas tout le temps pour aller dans l'hôpital départemental dans l'hôpital spécialisé pour recevoir n'importe qui soin que l'hôpital ça existe. Gagnon et Pétionville Gagnon, c'est Eliazar Germain. Ce n'est pas maintenant même accord tripartite Brésil, non, mais Gagnon Eliazar Germain Pétionville. Nous gagnons un bon repos, gagnons Bedet, gagnons Orcachon 32. Et si nous continuons plus loin, gagnons Grand Gouave, gagnons Petit Gouave. C'est une façon pour nous être capables de joindre soins à proximité. Donc, je vous invite pour être capables de fréquenter l'hôpital Sayo un peu plus. Et puis à tout le monde pour fin d'année, je vous dis encore. Bonne année, en pile santé, c'est ça, ministère santé, voulez pour tout le monde en pile santé. Qui démunis, défavorisés, gen là-dedans qui pas gen parents, gen là-dedans tout parents ont abandonné. Étant donné que nous avons une période de fin d'année, nous disons période d'amour,
période de partage, période de solidarité. Nous ne savons pas que nous, généralement, qui viennent. Donc nous disons que c'est normal, comme représentant l'État, comme représentant gouvernement, pour nous venir voir, nous savons, pour nous venir porter support nous bailleurs. C'est comme ça nous portons quelques boîtes là, qui viennent là-dedans, rad, qui capitulent, nous portons draps, nous portons serviettes, nous portons savon, nous portons papier hygiénique pour qu'ils capent aider, parce qu'ils n'ont pas de famille qui viennent voir. Président Jovenel Moïse, il a toujours dit tout le monde dans le gouvernement, c'est pour nous capter plus près, monde qui est vulnérable, monde qui a besoin, monde qui a nécessité. C'est ça que fait semaine fin d'année, période fin d'année, nous décrétons la permanence. Décrétons la permanence depuis avant-hier, nous sommes passés dans plusieurs maternités. Jeudi, nous sommes dans l'asile communal. Après demain, nous allons nous aller dans la prison. Nous allons tout généralement, monde qui est en province, surtout famille, monde qui travaille jardin. Si les gens qui sont dans le quartier de Fabrizia, ils ont joué qui permettent de passer un bon moment. L'année 2017, pour nous, c'est une année écoutée pour nous. Et surtout, nous avons relevé des défis et importants pour nous. Je dis, c'est vrai, l'exécutif a fait des efforts, surtout nous avons. Le président de la République qui a fait bataille, surtout avec la caravane du changement. Je pense qu'il y a une pile d'action qui posait déjà dans la caravane. Mais on s'attend qu'il y a une pile d'action qui peut composer une bonne communauté. Je pense que peut-être le changement positif, c'est un bagage qui est graduel, mais le changement négatif, c'est un bagage automatique. Et je dis, pour construire, prend du temps. Pour construire quelque chose, sauf le construire, mais pour détruire, bon, c'est non clin d'œil dans quelques minutes, quelques secondes, destruction en fait. Je veux dire, je pense que nous avons une période pour nous surtout encourager la présidence et nous même bon côté par nous, les parlementaires, encore députés et sénateurs, pour au moins nous faire travail, écouter la population, voyez nous. Et pour nous surtout contrôler l'exécutif, là, pour nous voter des lois et nous dire bravo. Et d'ailleurs, sur la point législature, ça, c'est une législature qui est plus productive, je dis. Là. Mais ça n'a pas suffi, encadrement sur le plan social pour la communauté. Là, nous-mêmes pensons qu'il y a des lois à nous voter. D'ailleurs, nous votons loi sur loi FME, nous votons loi sur question vidéosurveillance, nous votons loi 3 chiffres, etc. Ça qui a rapport avec l'aspect social et population. Je pense aujourd'hui à tout contenu et c'est ça qui fait rapport. Il y a plein de nous qui accompagnent la population, nous, soit dans la question de l'école, soit dans la question de l'université, soit dans la question des problèmes et d'autres problèmes. Mais sociaux que nous connaissons qui gagnent dans la communauté, c'est vrai, et nous voter nous c'est pour nous surtout contrôler l'exécutif là, voter et faire des lois, mais ensuite garder ce qui est suivi qui fait par rapport à ensemble d'actions, par rapport à ensemble de lois qui gagnent et que nous votons. Bon, c'est aujourd'hui à la nous-mêmes, nous sommes capables de dire que le travail par nous, son travail qui double. Et parce que faut nous bailler communauté nous assistance, faut nous bailler population assistance. Jacques de toujours qu'on dit lui depuis l'entrée dans 50e là, moi je voulais 50e ça son 50e d'histoire, un 50e réellement qui projette notre image et nous-mêmes nous penser et beaucoup de par nous la bataille pour au moins nous ces références dans cette histoire de 10 15 20 ans et même après 5 ans encore et l'histoire va dire au moins la génération future qui débarque de grandes orientations, de grandes lignes. Et je dis à Kafou Chada à Marassa, et là, je me dis à 2017-2018, non, reconduit lui. Et je pense, je dis à nous, prenons route 125, on a fait une bataille. Nous prenons route internationale, la PAC Kofini, RN8, nous faisons bataille surtout. Heureusement, le ministre des Travaux publics nous a dit ça dans la conférence de presse d'Abbaye, dans lundi d'Abresse, qu'il a dit que dans pile de marche, que le député a lui-même,
il était fait pour au moins ensemble des travaux qu'a réalisé surtout dans la commune Guadeloupe. Moi même pense jeudi à là et c'est vrai et un peu même connaît un député va lever un matin pour du bois craser caille ou va craser ceci ou va craser cela, ça pas dans attribution pas mais démarche et tout ça me mettre dans le budget aujourd'hui à ma bataille pour être capable de réaliser si une route et Marassa surtout ça c'est en route côté nous pas faire à l'instar d'Henry et nous créons sous ça pour de plusieurs facettes n'a étudié malgré des études qu'a fait sur lui mais je dis à la n'a regardé pour de dimon les pont charrier et je dis à la nous commencer à travailler d'emblée sur lui pour nous regarder comment avant année 2018 l'a fini et 2016-2017 nous était clair et côté ensemble de bacda c'est pour ça même nous météo et je dis à n'a dit que le ministre santé ben nous garantit nous dit ministre républicain ben nous garantit route là l'a commencé très bientôt en termes de bilan sur le plan économique et social donc que et ne pas faire de progrès parce que et notre cas est marqué situation situation à interpréter notre adieu nous devons appeler facteurs qui expliquent que situation économique et sociale la population ça nous dit il n'est pas bon nous devons c'est quoi Mathieu qui lui-même est dévasté en bonne partie dans le pays qui a des conséquences économiques et sociales sur le pays dans son ensemble. Donc il y a des autres paramètres encore que nous avons considéré qui rendent la qualité que le bilan année sur le plan économique et social est très positif, mais que nous connaissons la plus fort. Pour voir ça a fait un peu d'effort le gouvernement a fait pour améliorer la situation économique et sociale. Nous avons bravo pour l'effort ça. Nous avons par exemple le programme social, nous avons par exemple le caravane. Mais nous connaissons qu'il y aurait un peu de difficulté pour la situation améliorer les gens que nous avons améliorer. Donc en termes de perspective, nous avons le rapide. Et défi pour nous lever sur le plan économique et social. Nous devons pour nous améliorer la balance commerciale. Non? Nous devons pour nous améliorer le taux de croissance économique. Non? Nous devons pour nous améliorer un peu l'indicateur économique qui nous dit au bas niveau. Donc nous croyons que le président et le gouvernement ont une volonté. Pour travail pour améliorer l'indicateur ça parce que nous tout connaît c'est que le budget et gouvernement pour voir ça lui-même élaborer donc faut que nous bâillons un titan faut que nous croyons que nous besoin de titan et même nous pas besoin trop tantôt mais besoin de titan pour que nous chita programme qui est à premier, donc nous avons joué nous contrôlons l'action exécutive, là j'ai envie de contrôler et la famille des photos pour que nous puissions collaborer pour faciliter le même atterrir et la collaborer, mais lorsque nous pouvons contrôler, nous contrôler, jamais de contrôler, les gens constituent dans nos prérogatives. Donc nous croyons qu'il y a un peu d'effort pour que nous réconcilier et tout petit pays parce que nous avons souhaité que l'année 2018 là on va aller de réconciliation mais l'année côté nous tous et pas conscience que c'est tête ensemble c'est la tête ensemble que nous avons rebâti pays ça c'est la tête ensemble que nous sommes capables d'améliorer les conditions de vie et de la pays ça surtout nous avons vécu dans la section communale mieux quoi que l'année 2018 là va aller de succès à tous les niveaux, mais pour ça nous devons plus volonté, plus esprit pour que nous avons des résultats et un peu le monde à attendre de nous. Donc je souhaite que tout le monde, en particulier, que nous-mêmes nous représentons
au niveau de cette 15e législature là va joindre moyen la tête ensemble avec élu pour que nous résoudre les problèmes prioritaires, les vrais problèmes qui ont ravagé la circonscription de l'OZOA, qui sont des problèmes de route, des problèmes de l'école, des problèmes environnementaux, des problèmes sanitaires, des problèmes de logement, parce que je le redis, après ce qu'on a tué, lui était jusqu'à présent un défi pour nous lever pour que nous réseaux, nous gardons je vais côté pour le qui est posé, pour qu'un petit groupe là plus va mettre un problème dans la panique, parce que je ne le dis plus fort la section communale, pas de côté priorité, pour que la fin chire, parce que c'est qu'il y a 2018 là, 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 côté que le logement va gagner dans toute section communale. Et va y aller côté que pour que nous devions courant au deuxième siècle là pour nous devions abdonner la ferme là et qui a quelques 16 à 17 km de village qui est éclairé, c'est pas normal. Et soit encore pour nous faire cochon pour que le président te connaît l'IA, pour que le président connaît que nous faire cochon joue un point. On était prometteur là, et nous avons le travail à président pour promettre ça arriver et réaliser. Donc, en gros, nous croyons que soit en 2018, que nous avons attendu que nous avons une réconciliation totale qui fait au niveau population, que ce soit nous entre eux, ces citoyens entre eux, mais élus entre eux, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, mais qu'on aime bien que nous devons mettre tête ensemble dans l'adversité pour que nous reconstruisions Haïti. Son pays nous connaît, qui gagne un président qui est fraîchement élu, qui est sorti en transition, et de transition n'est pas toujours facile. Mais l'entrée du nouveau gouvernement, qui est quelques mois en retard après l'investiture du président, ça fait que gagner pas mal de grands défis et que l'État en général lui-même il a fait face. Mais il faut dire que nous-mêmes en tant que parlementaires, vision par nous, façon que nous voyons les questions, c'est que gagner d'une part la prise de conscience citoyenne qui t'a supposé de mise afin que le pays ça le même état traité environnement. Nous dit oui, de façon à traiter environnement, parce que lui, pas fait sens pour nous, les citoyens qui sont capables d'entrepreneurs, qui sont capables de businessmen, qui sont capables, les mêmes simples citoyens, a décidé de charger le camion la fatra et puis qui doit venir débarquer lui sous route là, dans le côté de mon passé, et qui côté la pelle la gueule, non ravine ou bien non rivière, et qui normalement capable de causer un peu de dégâts à la population, à l'environnement. Deuxième bagarre, nous dit, lui est concevable pour que nous ne parlions retirer le droit. Mais personne monde qui s'est ensemble de droits démocratiques, par exemple, le droit de manifestation, nous rêvons que ça, comme certaines fois, causé problème à la question économique du pays. Pour ça, nous dire, encore une fois, n'importe quelle explication, parce que le droit pour manifester, c'est tout le monde qui gagne, personne n'est pas capable de retirer. Mais le droit pour faire business ou le droit pour faire business dans tout, c'est nous tous qui gagnons. Lui, pas fait sens pour que nous, les citoyens, décident de manifester et une manifestation qu'ils ont choisi pour le faire, c'est écraser, briser business par l'autre là, qui parle de manifestation ensemble avec lui. Lui, inconcevable pour que les citoyens soient faits pour eux, soient travaillés, dit
pour l'acheter une petite machine pour les affaires personnelles, les affaires familiales à travailler. Et puis, l'autre ligne a manifesté, a décidé pour écraser. Ça, il a automatiquement porté préjudice à porter à tête à la question environnement. Il a attaqué la question, pour que ça me dit, il a attaqué la question, question en investissement, disons le. C'est le fait simplement investisseur. Là, il a mis compte que l'espace à milieu à pas trop propice pour investir. Investissement, ça, qui a de business, ça, qui a de.